Good morgen, Aleiden, le juste aujourd'hui, le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, ainsi que les Fouat, Sarah, Bat, Betty, Rivka, Betor, Char, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah complète à 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Menachot, Perikyud, Mishnah Hei. Mishikara va Omer, Yotzin, Omotzin, Shuk, Yerushalayim, Shehu, Malekemach, Vekali, Shelo, Birzon, Chachamim. Divré Rabbi Mer, Rabbi Yuda Omer, ברצון חכמים היו עושים. משקרא ואומר, הותר החדש מיד. והרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן. משחרר בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. אמר רבי יהודה, ולא מן התורה הוא אסור, שנאמר עד עצם היום הזה. מפני מה הרחוקים מותרים מחצות היום ולהלן? מפני שאין יודעין שאין בדין מתעצין בו. Un sujet général dans notre Mishnah, c'est d'expliquer d'abord l'interdit de Khadash. Jusque quand précisément est-il interdit? Et je m'explique tout de suite. Il y a 5 céréales dans la Torah, le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Chita sera kismin shibol tchoual beshifon en hébreu. Il y a donc 5 céréales à sourde maintenant. Si je plante aujourd'hui du blé, et que ce blé il va commencer à me pousser dans l'année, il faut, vers l'approche de Nissan, ça va être le printemps, il va pousser. Il faut savoir que je n'ai pas le droit de le manger, ce blé. C'est l'interdit de Khadash, la nouvelle récolte. Pour pouvoir permettre la nouvelle récolte, il faut nécessairement attendre que l'on va prendre de cette nouvelle récolte les prémices, les apporter au Beth Amikdash en Korban, c'est le Minchata Omer, le but de la Minchata Omer, l'oblation du Omer que l'on fait, que l'on apporte avec la nouvelle récolte, avec le nouvelle orge, puisque l'orge pousse avant le blé. Le blé, c'est plus la période de Shavuot, et l'orge, c'est la période de Pessah. Donc il faut attendre d'apporter le korban à Omer, la minchat à Omer. Et une fois qu'on a apporté la minchat à Omer, ça va lever l'interdit de manger la nouvelle récolte. Ça va le permettre maintenant. Puisque logiquement, tu as ta nouvelle récolte qui pousse, tu ne la manges pas jusqu'à qu'on apporte le premier en l'honneur d'Hachem. Dès qu'on a fait, on a apporté le premier en l'honneur d'Hachem, désormais, bien sûr, mangez tous vos récoltes, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, on apprendra ensuite dans la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce que l'on fait lorsque, à notre époque, on n'a plus de Beth Amikdash? On apprendra différents avis. Pour le moment, je me concentre sur la première partie et je traduis déjà. Mishekara va Omer. Depuis le moment où le Omer a été fait, l'oblation du Omer, on a toute la nuit, on a travaillé sur l'orge pour le sécher, pour le moudre, pour en faire de la semoule de blé, d'orge. Le lendemain, on a fait le Korban Tamid. Ensuite, on a fait le rituel du Omer avec tous les korbanot que ça implique. Et après, on a balancé le Omer comme ce qu'on avait appris, l'oblation spéciale. Et il fallait faire la Vehenif, il y avait marqué qu'il faut la balancer. Et une fois qu'on a fait sa mitzvah de ce Omer, on l'a porté sur le Mizbeach, désormais l'interdit il est levé. Alors la Mishnah m'enseigne, Meshekara va Omer, depuis le moment où le Omer a été fait, l'oblation du Omer et le rituel du Omer, il a été réalisé au Beth Amikdash, eh bien, Yotzin, Omotzin, Shuk Yerushalayim, Sheumale Kemach, Vekali, Shalom Birson Chachamim. Eh bien, on pouvait sortir du Beth Amikdash, et on remarquait qu'il y avait là-bas, au marché de Yerushalayim, il y avait là-bas, au Motzin Shuk Yerushalayim, on trouvait le marché de Yerushalayim, Shehu Malei Kemach. Il était rempli déjà de nouvelles farines à vendre, Vekali, et aussi, je ne sais pas comment il faisait des sortes de pépites avec le blé, il le mangeait comme ça, en Kali, que c'était un peu grillé, comme les pépites. Et tout ça, c'était Shelo Birtson Chachamim, c'était à l'encontre de la volonté de Chachamim. Et dirait Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Betsan Chachamim Ayosim. Rabbi Yehuda pense que c'était fait avec l'aval des Chachamim. Et on explique tout de suite de quoi ça parle. Très simple. Puisqu'on a dit, on est donc, jusqu'au 16 Nissan, on n'a pas le droit de consommer la nouvelle récolte de blé. Selon Rabbi Yehuda, Chachamim ont fait aussi un décret, que dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le prendre, de le cuire, de commencer à l'exploiter, d'en faire de la farine. Parce que tu vas commencer à avoir de la farine, finalement, c'est sûr qu'il va y avoir une faille, il y a quelqu'un qui va se mettre à lui manger. Et ça, la nouvelle récolte, c'est interdit. De ce fait, d'après Rabbi Yehuda, on a fait un décret qu'on ne cueille même pas le blé pour les consommations personnelles. D'accord? Je ne sais pas si on ne cueille pas, ou en tout cas si on ne bat pas, si on ne fait pas de la farine, je ne sais pas, apparemment peut-être même qu'on ne cueille pas. D'après Rabbi Meir, il ne faut pas cueillir. Et de ce fait, il y avait un phénomène original. C'est que dès que tu sortais du Beth Amikdash, là, on venait de finir d'apporter le Homer, il y avait déjà tous les marchés d'Yerushalayim qui,
c'était déjà rempli de farine à vendre. Bien sûr, c'était Chol HaMoed, donc on avait le droit de vendre. Ils vendaient aussi de la farine pendant le Pessah, chose que nous, on n'oserait même pas y songer de vendre de la farine pendant cette période de l'année. À leur époque, on pouvait aller acheter au marché de la farine pour en faire des matzot. Et bien, selon Rabbi Meir, ça, c'était sans l'accord de Chachamim, parce que Chachamim, ils ont fait un décret. Et Rabbi Yehuda nous dit, non, il n'y a pas de décret. Les gens, ils savent se retenir, il n'y a pas de risque que s'il va y avoir de la farine, ils vont se mettre à faire déjà des gâteaux avec cette farine. C'était la fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, Mishekara va omer utar echadash miyad, va rechokim utarim echatzot ayom ule halam. La Mishnah m'enseigne, depuis le moment où on a apporté le korban à Omer au Beth Amikdash, eh bien, dès lors, l'interdit de Khadash a été levé Bé Israël. Tandis que Vehare Chokim, ceux qui habitaient loin, ils ne savaient pas ce que Beth Amikdash avait fini de faire cette oblation ou non, Moutarin Mechatzot Ayom ou Lehalan. Eh bien, ils devaient attendre la mi-journée, et au-delà de la mi-journée, ils avaient déjà le droit de consommer. On va expliquer à la fin de la Mishnah pourquoi ça va être dans la fin de la Mishnah, qu'ils savent très bien que tous les habitants, même de Natania, Afula, Ranana, où vous voulez, tout le monde sait très bien qu'on a Baruch Hashem un Bet Din au Bet Amidash, qui se souvient que les mitzvot soient faites le plus rapidement avec zèle comme il faut. De ce fait, il est certain que passé la mi-journée, que la mitzvah du Homer a déjà été réalisée, comme ce qu'on le relira dans la fin de la Mishnah. D'accord ? Maintenant, on va s'intéresser maintenant à Mishéchara Bet Amidash, depuis le moment où le Bet Amidash a été détruit. Donc il n'y a plus de korban à Omer, en l'occurrence, comme à notre époque. Qu'est-ce qu'on fait avec un interdit de Khadash? La Mishnah m'enseigne « Itkin Rabbi Yochanan ben Zakkai, sheye yom henef kulo asur » Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait un décret que toute la journée où on peut apporter le... Toute la journée, elle devient Asura. C'est-à-dire, ça c'est la vie de Tanakama, c'est pas vrai, je crois que c'est Rabbi Meir, je l'ai vu, je ne sais plus où. Bon, je ne vais pas m'engager dans le... Ouais. Apparemment, c'était du Tosfot Yom Tov, ça sortait que c'est Rabbi Meir. Je reprends et ça, j'explique un petit peu mieux. Il y a marqué, d'après donc Tanakama, Rabbi Meir, il y a marqué que quand il y avait le Beth Amikdash, donc il y avait le moment où on avait fait, tant qu'on n'avait pas apporté le Corban, il y avait un interdit, jusqu'à ce jour-là. Ça, c'est quand il y a le Beth Amikdash où tu vas faire le Corban, c'est la suite. Et à part ça, donc ça, c'est quand il y a le Beth Amikdash pour faire le Korban, quand plus le Beth Amikdash. Selon Rabbi Meir, il s'avère que selon la Torah, c'est permis depuis le matin, mais malgré tout, Chachamim ont fait un décret qu'on interdira, c'est Rabbi Hanan ben Zakkai qui a fait ce décret, il a interdit de consommer l'Omer jusqu'à la nuit qui suit. Donc en fait, concrètement, vous allez regarder dans le Shulchan Aruch, on va vous dire, le Khadash, la nouvelle récolte, tu n'auras pas le droit de la consommer jusqu'au 17, la venue de la nuit, la soirée du 17, qui précède la journée du 17. D'accord ? Après le deuxième jour de Pessah, quand on va compter le deuxième jour du Homer. Seulement là, tu pourras consommer la nouvelle récolte, mais pas auparavant. Pour quelle raison ? On va expliquer après. Pour le moment, je préfère d'abord avancer dans la Mishnah pour mieux comprendre. Parce que Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Vehalo mina Torah ou Asur. Rabbi Yehuda vient dire à Rabbi Meir, mais qu'est-ce que tu racontes ? Que tu me dis que c'est un décret que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait ? Rabbi Yochanan ben Zakkai, entre parenthèses, c'est le Rav, le Tana, qui était le grand maître à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash. Et il a fait toutes sortes de décrets pour qu'on se rappelle de Yerushalayim. En l'occurrence, ce qu'on prend le Lulav pendant 7 jours, aujourd'hui à notre époque, c'est une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y a comme ça quelques takanot. Ben, ça c'est une d'entre elles. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un décret, donc d'après Rabbi Meir, qu'on ne mangera pas le Omer pendant toute la journée. Soit, mina Torah, selon la Torah elle-même, c'était permis depuis le matin, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. S'il y avait le Beth Amikdash, c'est interdit, tant qu'on n'a pas fait le Korban Omer, tant qu'on a fait le Korban Omer, tout devient permis. Mais maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, c'est permis, en théorie, toute la journée. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan ben Zakkai, serait venu et aurait dit que c'est interdit toute la journée, par décret. Sur ça, Rabbi Yehuda vient à la charge et dit « Non, c'est faux. Valo mina Torah ou Asur. » C'est interdit explicitement par la Torah que toute cette journée elle assura. Quand il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est interdit toute la journée, par la Torah. Shenemar ad etzem ayom hazeh, comme le pasuk nous dit, velechem mekali vecharamel lo tochelu ad etzem ayom hazeh, ad yevechem et omer tonfa. Et là-bas, il a marqué le ad etzem ayom hazeh, jusqu'à ce jour-là dans sa splendeur. Un peu le mot de etzem, foncièrement, je ne sais pas comment concrètement ça va se traduire ici. Donc ad etzem ayom hazeh, jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire ad itzumo shel yom, même le jour lui-même, il est interdit par la Torah. Or, la suite du pasuk me dit, jusqu'à que tu apportes le korban en mer. Alors regarde comment tu contredis. D'un côté tu me dis,
toute la journée à la Soura. De l'autre côté, tu me dis, jusqu'à ce que tu apportes le corban du Homer, c'est Assour. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord, donc, en fait, on résout cet équilibre, cette stira. La Mishnah ne le fait plus, mais en fait, parce qu'on est censé avoir tout compris tout seul. Ça dépend. Quand il y a le Betamikdash, le corban du Homer permet. Quand il y a le Betamikdash, c'est interdit toute la journée. Maintenant, il va falloir revenir sur Rabbi Meir pour comprendre mieux la vie de Rabbi Meir. Alors quoi, Rabbi Meir, t'as pas la takana de Hadesem et Yomese? Deux interprétations dans la Gemara. Soit, effectivement, c'est-à-dire, si c'est interdit, faut bien comprendre, si c'est interdit par la Torah de consommer durant toute la journée, c'est plus une takana de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pourquoi Rabbi Meir dit que Rabbi Yohanan ben Zakkai a fait un décret? Rabbi Yoda rapporte un pasouk. Qu'est-ce que Rabbi Meir fait de ce pasouk? Deux solutions rapportées dans le très long mortelon que vous voyez. Je synthétise très rapidement. D'après la première explication, effectivement, c'est interdit par la Torah, même d'après Rabbi Meir. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est oublié, ça s'est perdu. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai est venu et a décrété qu'il a enseigné au peuple que c'est interdit par la Torah, en fait. Première solution. Deuxième solution, c'est d'expliquer que non, il va expliquer à Détessam Ayyomazé, c'est jusqu'à le début de ce jour qui est interdit. Et que finalement, malgré tout, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait un décret parce que, à cause du Bet HaMikdash, là je m'explique un petit peu mieux. Imaginez, à l'époque du Bet HaMikdash, on se retrouve le 16 Nissan. Le matin se lève, on fait le korban, tamid shachar, on fait le korbanot, ensuite classique, et puis on fait ensuite, on va faire la avoda du Bet HaMikdash, du korban à Omer, et à 11h45, on a fini de faire ce korban, donc il devient permis de manger les menachot. L'année d'après, malheureusement, le Bet HaMikdash a été détruit. Et en théorie, on devrait permettre toute la journée, donc, comme ce qu'il propose Rabbi Meir éventuellement, d'après le premier avis. Toute la journée, elle devrait être permise. Seulement, il va y avoir un problème. Réalisez bien que, au matin du 16 Nissan, donc vous m'avez appris que quand je suis revenu de la Tfila après le Netz, je suis rentré à la maison et on a préparé un super sandwich avec de nouvelles matzot toutes fraîches qu'on venait de faire le matin. C'est permis. Ouais. L'année suivante, le Bet HaMikdash va être reconstruit. Et puis, en allant vers la Tfila le matin, je vais dire à ma chère femme de préparer un petit déjeuner sympathique. Dès que je reviens après le Netz, on va manger. Or, puisque le Bet HaMikdash est reconstruit, tu n'as pas le droit de manger la nouvelle récolte juste après le Netz. Tu dois nécessairement attendre que le Corban ait été apporté à Yerushalayim. Donc vous voyez bien le décret qui peut se passer. D'une année où il n'y a pas de Bet HaMikdash, tu vas te permettre de manger le nouveau pain très tôt. L'année où ensuite le Bet HaMikdash va être reconstruit, Bezant Hashem, Yemera Be'Amenu, il va s'avérer qu'à la même heure, ce sera encore interdit. Et si tu as gardé un mauvais souvenir de l'année précédente et que tu vas consommer à cette heure-ci, il s'avère que tu te rends compte que c'est interdit de manger le Khadash. De ce fait, est venu Rabbi Yochanan ben Zakkai et nous a dit toute la journée, Yom Henef Kulo Asur, toute la journée où on est censé, où on a la possibilité d'apporter le Korban à Omer, il est entièrement interdit jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? C'est les deux avis rapportés dans le Mortenora. Donc ça va changer la vie de Rabbi Meir. Est-ce que son Rabbi Meir, l'interdit, il sera Minatora ou Miderabanan? D'accord? D'après la première explication, selon Rabbi Meir, même toute la journée, le 16 Nissan, s'interdit, même selon Rabbi Meir, par la Torah. D'après la deuxième explication, ce n'est que Midrabanan. Ensuite, fin de la Mishnah, c'est simple. Pour quelle raison tu m'as enseigné que les gens qui habitent loin du Yerushalayim sont permis ont le droit de manger la nouvelle récolte à partir de la demi-journée? En théorie, il devait attendre le coucher du soleil, peut-être que Bet HaMikdash s'est attendu jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. La Mishnah répond, parce qu'ils savent pertinemment, tous les habitants d'Israël savent très bien que au Bet Din de Yerushalayim siège des rabbanim qui ont le feu pour faire les mitzvot comme il faut, le plus rapidement, le plus, de la manière la plus splendide, et donc, en l'occurrence, de faire les mitzvot très tôt le matin. Et de ce fait, il est certain qu'ils n'ont pas passé Khatzot, que depuis la mi-journée, c'est certain que ça a déjà été réalisé, donc de ce fait, il permettait de manger dans les autres villes. Dans les autres villes de l'après-midi, à partir de l'après-midi. Khatzotayom. D'accord, je recommence dans les mots. Pourquoi les habitants loin de Yerushalayim avaient le droit de manger à partir de la mi-journée? Parce qu'ils savaient que le Bet Din ne se laissait pas traîner la patte pour le faire. La tlout, c'est la fainéantise. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakoto. Salam.